Une jeune femme est debout en plein air. Le poing gauche sur la hanche, l'air dubitatif, elle lit un billet qu'elle vient de déplier. Elle est vêtue d'une ample robe noire à manches longues, à manchettes blanches et d'un corsage de satin blanc. Une mantille claire lui couvre la tête. Elle l'a croisée sous son menton et rabattue de chaque côté pour bien dégager le buste. Une servante, un peu en arrière, déploie une ombrelle ocre jaune. Elle aussi est vêtue de noir. Un bichon blanc dressé sur ses pattes arrière tente d'attirer l'attention de sa maîtresse en aboyant. La scène se passe sur une promenade qui longe un lavoir ou un cours d'eau. Des lavandières battent le linge en discutant. L'horizon est fermé par du linge qui sèche sur des perches, des cordes ou des arbres. À l'arrière-plan, une montagne. Le ciel est bleu avec des reflets roses. La lumière blanche, très verticale, indique le milieu du jour. Une vieille femme est assise sur une chaise. Elle est vêtue d'une robe de soie claire, recouverte de mousseline transparente, pincée sous la poitrine selon la mode de l'Empire et ornée d'incrustations bleues aux épaules et à l'encolure. Dans sa chevelure d'un blond roux décoloré, elle porte une flèche de diamant. Elle arbore aussi de grosses boucles d'oreilles. Et dans ses doigts noueux, ornés de quatre bagues, elle tient un petit miroir circulaire dans lequel elle vient de se mirer. Elle lève les yeux vers un autre miroir rectangulaire que dresse devant elle une servante vêtue de noir. Aussi maigre que sa maîtresse, la servante est brune. Elle a des manches courtes bordées de dentelles noires. Elle porte quatre rangs de perles au poignet droit. Au dos du miroir, une inscription « Ketal », formule courante qui signifie « Comment ça va ?» Mais plutôt ici, « Quelle impression je te donne ?» Derrière les deux femmes, un homme aux cheveux blancs, aux grandes ailes blanches déployées, tient à deux mains un balai rustique. La scène se passe à l'intérieur, avec pour seul décor un pan de mur, des dossiers de chaises et l'amorce d'une banquette. Une lumière qui vient du haut illumine le mur et le centre du groupe. Le bas du tableau et la partie droite sont plongés dans une ombre dense. Le premier tableau a porté divers titres. Femme de Madrid en costume de Majas ou jeune femme lisant une lettre. Le second tableau a été intitulé Vieille femme, puis Le temps. Plus tard, les deux tableaux sont devenus Les jeunes et Les vieilles. Ils ont la même hauteur, 1,81 m. Seuls, leur largeur diffère un peu. 1,22 m pour les jeunes, 1,25 m pour les vieilles. Les vieilles portent en bas, à droite, en blanc sur le fond noir, une inscription. Une croix suivie du chiffre 23. En 1812, au moment de la mort de Josefa Bayou, première femme de Goya, le peintre, qui s'était marié sans contrat, partage avec son fils Francisco Javier tous les biens présents dans la maison qu'il habite alors, Calle Valverde, à Madrid. Le fils hérite des tableaux, mais il est probable que selon un usage courant, il les laisse chez son père. Or, certains des titres énumérés dans l'inventaire notarié correspondent précisément au tableau marqué d'une croix et d'un chiffre. La croix pourrait donc être la lettre X, initiale de Javier, qui s'écrivait tantôt avec un J, tantôt avec un X, Xavier. Ainsi, comme les vieilles, marquées X23, la Célestine et sa fille portent le numéro X24. Le Lazario de Tormes, X25. Ces tableaux ont donc été peints avant l'inventaire de 1812. Les jeunes ne portent pas de marque. Le tableau n'a peut-être pas été inclus dans l'inventaire, ou bien il a été peint après 1812. Les vieilles, la Célestine, le Lazario de Tormes, auquel il faut ajouter les Majas au balcon et la forge, décoraient les pièces qu'habitait Goya vers 1812. Peut-être Goya a-t-il peint les jeunes pour donner un pendant aux vieilles. Et les deux toiles sont restées ainsi jumelées après la mort du peintre en 1828.
lorsque Francisco Javier hérita de l'ensemble des tableaux de son père. Le musée du Louvre ne possédait que très peu de peintures espagnoles. Le roi Louis-Philippe confie au baron Taylor la mission secrète de constituer un musée espagnol. Le baron, conseillé par des peintres, sillonne l'Espagne et achète des Greco, des Velázquez, des Zurbarán, des Murillo. Il se rend chez Javier Goya et lui achète diverses peintures, dont les jeunes et les vieilles. Lors de l'ouverture de la galerie espagnole en 1838 au musée du Louvre, 450 peintures ont été rapportées. Les jeunes sont exposés, les vieilles restent en réserve. 10 ans plus tard, après la proclamation de la République, la collection est restituée au roi déchu. Elle est mise en vente chez Christie's à Londres en 1853. Les tableaux seront dispersés dans le monde entier. En 1873, la commission d'achat du musée de Lille accepte d'acheter les jeunes, mais ne veut pas acquérir les vieilles. Le conservateur et deux amis engagent leur argent personnel pour forcer le musée à acheter le second tableau. Le peintre, au cours de sa longue carrière, a pratiqué des styles et des genres fort divers. Carton pour la tapisserie royale ou toile décorative. Le jeune peintre s'empare d'une palette et d'un style proche de Fragonard. Fresque religieuse à la manière de Tiepolo. Autoportrait à différents âges. Portrait d'amis ou d'aristocrates réalisés lorsque Goya est peintre de la chambre du roi. Scènes de genre, d'inspiration populaire ou littéraire. Scènes historiques. Peinture noire de la maison du sourd. Peinture plus apaisée, composée lorsque le vieux peintre s'est exilé à Bordeaux et qui annonce les lumières de l'impressionnisme. À ces nombreux tableaux s'ajoutent les dessins et les séries de gravures. Les Caprices, publiés en 1799, est vite retiré de la vente, sans doute sur ordre de l'Inquisition. Les Désastres de la guerre. Les Tauromachies. Les Disparates, gravures énigmatiques dans la continuité des Caprices. Dans les jeunes, la facture est assez nouvelle. Seul le chien et le personnage principal sont traités avec précision. La suivante, dans l'ombre colorée de l'ombrelle, n'est qu'à peine esquissée. Les lavandières sont dessinées sommairement au pinceau noir et traitées en teinte terreuse. Pour l'ensemble du tableau, Goya utilise des frottis épais étalés à la brosse large. Il emploie aussi le couteau à palette, qui lui permet par endroits des empattements appuyés, des traits en relief, des effets de matière. Ocre rouge et ocre jaune, noir et brun profond, vert et bleu cassé, donnent au tableau une apparence monochrome qui annonce les peintures noires plus tardives. Dans les vieilles, les pigments terreux sont aussi beaucoup employés. L'ombre elle-même est due à un noir brillant étalé à large touche. C'est autour des visages que se rassemblent les éclats de couleurs vives. Carmin, bleu, jaune et ocre.
Le couteau à palette sert à renforcer certains traits lumineux ou à moduler des aplats de couleurs. Des petites touches brutes, appliquées à la pointe du pinceau ou du couteau, dessinent les motifs délicats, bijoux ou broderies. Pour peindre ce tableau, Goya a réutilisé une toile ancienne. L'analyse au rayon X montre dans le haut des silhouettes qui semblent faire partie d'une scène religieuse. Dans Les Jeunes, Goya met en scène une maja et sa suivante. À la fin du XVIIIe siècle, le mot majo et son féminin maja désignent les membres du petit peuple citadin. Majos et majas se distinguent par leur franc-parler, par leur attitude désinvolte, parfois provocante. Les majas s'habillent en costume traditionnel, robe noire avec mantille. Peut-être un galant vient-il de glisser furtivement un billet doux entre les mains de la belle promeneuse. En même temps qu'il fait allusion à un thème littéraire courant au XVIIIe siècle, Goya reprend dans cette mise en scène légère le thème de la lettre, fréquent dans l'histoire de la peinture. Goya aime les belles femmes. Certaines posent pour lui en robe de majas et mantille, comme la duchesse d'Alpes, à laquelle Goya est lié pendant plusieurs années. Ou encore Mariana Waldstein, comtesse de Santa Cruz. La reine Marie-Louise elle-même demande à Goya de la représenter en costume de maja avec mantille. D'autres tableaux sont d'inspiration plus romanesque. Les majas au balcon, deux jeunes femmes décolletées et souriantes, derrière lesquelles se faufilent de discrets conspirateurs. La Maja et la Célestine, inspirée par le grand récit classique espagnol La Celestina de Fernando de Rojas. Le tableau met en scène la vieille maquerelle et la jeune prostituée. Mais Les Jeunes n'est pas seulement l'illustration d'une scène de rue plaisante. Dans le tableau perce la critique sociale. Les jeunes promeneuses passent devant des lavandières. Il suffit de ce fond à peine ébauché pour marquer la séparation brutale entre la vie insouciante des jeunes bourgeoises en mal d'amour et celle des femmes du peuple chargées de famille et accablées de tâches ménagères. Goya avait déjà abordé tous ces thèmes dans son recueil de gravures, Les Caprices. Qui se ressemblent s'assemblent. Personne ne se connaît. Beau conseil. La comédie sociale est grinçante. Dans un monde sans grâce et sans pitié, les jeunes femmes ne pensent qu'à séduire et les vieilles à servir d'entremetteuses. Dans Les Vieilles, Goya met en scène deux femmes très âgées. Mais le traitement pictural est différent. La coquette, affublée d'une flèche de diamant évoquant l'amour, a le visage décharné. Les orbites sont creusées et ourlées de paupières rouge sang. Les lèvres disparaissent, happées par le vide d'une bouche édentée. Le visage de la servante est réduit à une sorte de tête de mort, les yeux profondément enfoncés, le teint gris. Ce mode de représentation aux traits exagérés apparente le tableau à la caricature. Léonard de Vinci déforme des parties de visage pour en faire ressortir les aspects grotesques. Le Bernin est l'un des premiers à jeter au fil de la plume ces petits croquis rapides, résumant en un trait vif le ridicule d'un personnage. La caricature se développe au XVIIIe siècle et devient un art populaire anonyme, répandu par les stampes et le colportage. Goya a vu des gravures anglaises à Cadix en 1792, lorsqu'il séjourne chez son ami Sebastian Martinez.
C'est là qu'il tombe brusquement malade. Il ne se relève que 6 mois plus tard, définitivement sourd. Il a 46 ans. La caricature fera désormais partie de son univers. Et le tableau montrant les vieilles peut être mis en rapport avec plusieurs gravures des Caprices. Elle file fin, une variation sur le thème des trois parcs. Jusqu'à la mort. La gravure montre aussi une vieille coquette devant son miroir. Les vieilles reprend en partie cette gravure antérieure d'une douzaine d'années et un thème, celui de la femme au miroir, thème courant dans l'histoire de la peinture. Ici, on ne voit que le dos du miroir et l'inscription qu'il porte, quelle impression je te donne, peut se lire comme les paroles d'un miroir magique qui, à la manière des contes de fées, parlerait à sa maîtresse tout en lui montrant une image flatteuse d'elle-même. Goya place dans l'image une autre figure allégorique, celle du temps. Mais elle aussi est caricaturée. Au lieu de la faux traditionnelle, le peintre a placé un vieux balai entre les mains du personnage. Et le balai renvoie à une autre imagerie très présente dans son œuvre, celle de la sorcellerie. Goya avait décoré la résidence d'été du duc et de la duchesse d'Osuna de plusieurs petits tableaux montrant des scènes de sorcellerie. Le peintre partage les idées de ses amis illustrados, les éclairés, ces libéraux réformistes qui tentent d'acclimater en Espagne l'esprit des Lumières. La sorcellerie, très répandue dans toutes les provinces, est considérée par eux comme une superstition néfaste, exacerbée par la répression brutale de l'Inquisition. Mais les illustrados, dans leur prise de conscience de l'identité nationale, sont aussi attirés par ces formes d'expression populaire. Et Goya lui-même, bien que travaillant dans un esprit de critique sociale, subit cette fascination. Il en montre les dangers dans la fameuse formule « Le sommeil de la raison engendre les monstres ». Les cauchemars que le peintre a dû lui-même subir lors de sa maladie mutilante, peut-être une forme de méningite, l'ont sans doute rendu plus attentif encore à ces images mentales que même l'esprit le plus raisonnable peut soudain produire sans comprendre toujours comment elles ont pu surgir. Et il donne à ces deux vieilles les traits profondément gravés, le rictus, l'allure diabolique de deux sorcières. Mais un indice permet de déchiffrer plus avant encore ce tableau. Marie-Louise de Parme avait épousé le prince des Asturies, futur roi d'Espagne. Elle avait sans doute alors un certain charme, dont témoigne un portrait de Mengs, mais sa beauté déclina rapidement. Peu après 1788, date de son avènement, elle était déjà flétrie. Goya, peintre de la chambre du roi, exécute de nombreux portraits du monarque et de son épouse. La rumeur populaire attribuait ce déclin de la reine à sa vie débauchée. Elle eut en effet, malgré sa laideur, de nombreuses aventures amoureuses et une liaison prolongée et orageuse avec un soldat de la garde royale, Manuel Godoy, dont elle fit son premier ministre. Goya réalise son portrait alors que l'homme d'État est au sommet de sa gloire. C'est pour lui aussi que Goya peint la maja vêtue et la maja nue. Ce double portrait d'une maîtresse de Godoy, Pepita Tudo, était destiné à orner le cabinet particulier du ministre. Lorsqu'il met en scène la famille de Charles IV, Goya, qui se montre en train de peindre à la façon de Velázquez dans Les Ménines, enregistre avec une indéniable cruauté la folie et la médiocrité de ces personnages effrayés par l'histoire. Leur règne, d'ailleurs, sera bref. La reine porte dans les cheveux une flèche de diamant que son amant Manuel Godoy lui a offerte.
l'infante Maria Isabel porte la même flèche. C'est peut-être une discrète allusion à sa bâtardise. En 1808, l'Espagne est envahie par les troupes de Napoléon. Charles IV abdique en faveur de Ferdinand VII. Godoy est arrêté. Murat entre à Madrid. Ferdinand VII part pour Bayonne. Le 2 mai, à Madrid, les Espagnols se soulèvent contre les Français. Dès le lendemain, la répression est terrible. Dix ans plus tard, Goya résumera ces deux journées historiques dans deux tableaux, le Dos de Mayo et le Tres de Mayo. Pour les Ilustrados, amis de Goya, l'Empire représente les principes de la Révolution française contre les idées encore arriérées des Bourbons. Et le peintre prête serment à Joseph Bonaparte, nommé roi d'Espagne. Mais en 1810 commence la guérilla. Embuscades, fusillades, viols, tortures, massacres, scènes d'une sauvagerie incroyable dont le peintre est parfois témoin et qui alimente une nouvelle série de gravures, les désastres de la guerre. Joseph Bonaparte fuit en 1813. Ferdinand VII rentre en Espagne. La Constitution est abolie. L'Inquisition rétablie. Les Vieilles a été peint vers 1810-1812, donc pendant la guerre, au moment où épidémie et famine sévissent. La reine Marie-Louise et les Bourbons d'Espagne, alors en fuite, sont rendus responsables des malheurs du pays. La reine, très vieillie, mais portant la flèche offerte par Godoy, se regarde dans le miroir. Toujours coquette, elle ne s'aperçoit pas que le temps a passé, que le temps va la balayer. Marie-Louise et Charles mourront en effet à Rome, quelques années plus tard, en 1819. Godoy, lui, vivra encore de nombreuses années en exil à Paris. Un tel tableau n'est destiné à aucun commanditaire. C'est une caricature à usage privé et une fable sur la vanité du pouvoir. En même temps qu'il peint des portraits ou des scènes de genre pour de riches clients, Goya peint en effet des tableaux pour lui-même et traite, sans souci du marché, des thèmes qui l'inspirent ou qui l'obsèdent. Son musée personnel diffère tant par la facture que par la thématique de sa production pour l'extérieur. Deux tableaux de même dimension et toujours restés à parier, il n'en fallait guère plus pour en faire des pendants et pour les interpréter dans ce sens. Un auteur a suggéré que le personnage principal des jeunes pouvait être Marie-Louise elle-même. Beaucoup plus jeune, elle avait un jour fait scandale en se promenant dans les rues de Madrid en compagnie de Godoy. Elle avait été interpellée par des lavandières, lui réclamant moins de coquetterie et plus de pain. Les lavandières impertinentes furent arrêtées et condamnées à la prison à vie. Autre hypothèse, plusieurs historiens ont comparé les jeunes aux peintures noires de Goya. Plus tard, en effet, à partir de 1819, le peintre compose pour sa nouvelle demeure, dite la Maison du Sourd, des scènes d'inspiration libre. Il revient au thème de la sorcellerie dans des toiles gagnées par une ombre dense et charbonneuse, à peine percées par des couleurs sourdes ou parfois par l'éclat sinistre du sang. Parmi toutes ces figures énigmatiques, une jeune femme pensive surnommée la Manola. C'est probablement Leocadia Weiss. Goya l'a rencontrée vers 1812, peu après la mort de sa femme. Il passera avec elle le reste de sa vie. Le visage, l'expression, le vêtement même de la Manola rappelle beaucoup le personnage des jeunes.
Ce tableau aurait donc pu être peint par Goya à l'époque de leur rencontre, comme une sorte d'hommage à Leocadia. L'hypothèse des pendants ne repose pas uniquement sur des indices biographiques. Chacune des toiles montre une femme et sa servante. Chacune des toiles reprend un thème classique de la peinture, la lettre pour les jeunes, le miroir pour les vieilles. Chaque toile montre derrière la scène principale une scène contradictoire, les femmes du peuple contre les jeunes, le temps contre les vieilles. À ces parallélismes entre les deux tableaux s'ajoutent de franches oppositions qui semblent voulues. Extérieur, intérieur, vêtements sombres de la jeune, vêtements clairs de la vieille. Texte lisible du miroir, texte caché de la lettre. Montrées ensemble, les deux toiles forment une sorte de parabole dans la lignée des gravures sur les âges de la vie. Ces images populaires résumant le destin de l'homme sous forme d'étapes successives étaient très répandues autour de 1800. Et Goya lui-même s'en était inspiré. En représentant une noce, il dispose ses mariés au milieu du cortège qui s'étale de l'enfance à l'extrême vieillesse. Mais si l'on s'en tient à l'antériorité des vieilles, il est possible d'imaginer que Goya a pu retourner la parabole et nous donner à lire l'étoile dans l'ordre inverse. Les deux vieilles spectrales représentent le passé funeste, avec ses désastres politiques, la guerre, les malheurs de l'Espagne. Face à elles, la jeune femme représenterait au contraire le retour de la paix, le début d'une nouvelle vie. Le vieil homme a compris qu'il était en son pouvoir de vaincre le temps, que pour inverser son cours, il suffisait d'inverser l'ordre des toiles. Et comme l'écriture et la peinture étaient devenues pour le peintre sourd les seules façons de communiquer avec le monde, pourquoi ne pas supposer que le billet que lit la jeune femme, peut-être Leocadia, est une lettre de Goya lui-même?